y a certains mots qui sont explosifs dans la langue française, qui sont porteurs d'une charge historique, qui est parfois difficile à soutenir pour certains groupes, certaines communautés. Et je pense que ces mots-là, il faut savoir les traiter avec discernement. Le droit de ne pas être heurté n'existe pas au sens juridique. Par contre, il peut y avoir une sensibilité de l'enseignant envers les réalités vécues par les étudiants dans sa classe. Il y a des contextes où des propos qui normalement seraient dérangeants sont nécessaires pour comprendre le sujet à l'étude et l'analyser correctement. En septembre 2020, dans le cadre d'un cours à l'Université d'Ottawa, la professeure Verouchka Lieutenant-Duval prononce le mot en haine pour illustrer que certains mots injurieux peuvent être récupérés et revendiqués par les communautés qui en sont victimes. Des étudiants s'indignent, ils font savoir sur les médias sociaux. Une pétition est lancée pour réclamer des sanctions contre la professeure. Les grands médias s'en mêlent. En réaction à cette agitation, le recteur et vice-chancelier de l'Université d'Ottawa impose une suspension de 3 semaines à la professeure. C'en est trop pour 34 professeurs qui publient une lettre ouverte puis un essai à la défense de leurs collègues. Ils dénoncent une attaque contre la liberté d'enseignement. La question se pose. Qu'est-il permis de dire ou non dans une salle de classe? Je pense pas qu'il devrait y avoir de mots interdits dans les salles de classe, mais je pense qu'il y a des mots qu'on devrait traiter de manière un peu plus cérémonieuse. Donc, des mots qu'on devrait traiter avec une certaine sensibilité, des mots avec lesquels peut-être on devrait aller chercher l'accord des étudiants avant de les aborder en classe. Donc, c'est pas nécessairement de les interdire, mais de s'assurer que tout le monde est à l'aise de les aborder. Lorsque le contexte s'y apprête et que c'est relatif aux propos du professeur, de la professeure ou du sujet à l'étude, il ne devrait pas avoir de mots en soi qui sont interdits. Donc, par exemple, dans mon domaine, il est possible qu'on étudie la jurisprudence relative à un cas de diffamation. Et donc, il faudrait que les étudiants et étudiantes lisent l'arrêt du tribunal. Et là-dedans, il y a des propos qui sont diffamatoires. Évidemment, on ne peut pas comprendre le jugement sur les propos diffamatoires sans avoir accès aux propos prononcés. Il n'y a aucun mot qui devrait être interdit dans la mesure où c'est un objet de recherche, un objet d'étude, d'enseignement. Il y a des façons d'en parler, il y a des contextes, il y a des sujets qui parfois nécessitent d'utiliser certains mots. Il faut comprendre, évidemment, que lorsqu'on enseigne un cours à l'université, il y a un sujet. Le cours, il porte un sigle et un titre. Et donc, il faut évidemment enseigner la matière qui a été décidée par l'ensemble des profs du département pour le cours. Je ne pourrais pas, dans mon cours de droit de travail, commencer à enseigner, par exemple, la physique quantique. Lorsqu'on fait, par exemple, un portrait historique, je ne sais pas, par exemple, du nationalisme québécois ou de ce qu'on peut appeler le néo-nationalisme québécois, qui est un nationalisme de groupe qui a été minoré, soit par la colonisation, la conquête, etc. On peut mentionner le livre de Pierre Vallière, par exemple, et questionner les étudiants sur le sens du titre, pourquoi il utilisait ce titre-là, et donc amener les étudiants à mettre en contexte, finalement, ou à comprendre le contexte dans l'époque dans laquelle il a écrit cet ouvrage-là. Cela étant dit, une fois que le gabarit du cours a été déterminé de façon collégiale entre les professeurs, l'angle d'interprétation du sujet, les textes à l'étude et l'analyse de l'interprétation, ça revient à la professeure ou au professeur dans l'exercice de sa liberté académique. Et dans ce cadre-là, il n'y a pas de propos qui sont interdits, évidemment, dans la mesure où ils ne sont pas diffamatoires, haineux ou autrement illégaux.
Pour se replacer dans le contexte, on est à l'automne 2020 à l'Université d'Ottawa. Il y a une chargée de cours qui s'appelle Verushka Lieutenant-Duval qui donne un cours dans lequel elle aborde toutes sortes de concepts, dont celui de réappropriation subversive, qui est un concept qui concerne généralement des groupes marginalisés, déshumanisés dans l'histoire. Verushka Lieutenant-Duval est une professeure qui est blanche et il y a comme une règle non écrite qui dit que ce mot-là ne devrait jamais être employé au complet, donc prononcé en intégralité par une personne blanche. Donc, les élèves, étant témoins de ça, expriment un malaise. Toujours est-il que l'affaire s'est rendue jusqu'au recteur de l'université qui ordonne la suspension de la professeure pour faire la lumière sur l'utilisation de ce mot-là en classe à la suite de plaintes d'étudiants. Et là, très rapidement, l'histoire est récupérée par des médias québécois. Et évidemment, ben, le feu pogne! C'est vraiment ça! À l'université, pour empêcher l'usage de certains termes, il faudrait que ce soit du discours haineux et donc qui vise à dénigrer un groupe en particulier, identifiable. Seuls ces propos-là, finalement, sont interdits par la loi. Beaucoup ont eu peur de perdre leur emploi si ils employaient des termes à proscrire ou qu'on considérait à proscrire ou des termes un peu plus sensibles, explosifs. Personne ne veut être au cœur d'une controverse. T'sais, je veux dire, Verushka Lieutenant-Duval, elle a été au cœur d'une tempête médiatique. Ça a eu des impacts sur sa santé personnelle. Ça a eu des impacts sur sa classe. Donc, il y a des étudiants qui ont refusé de réintégrer son cours. Il y a des collègues qui se sont dissociés d'elle. Donc, ça, c'est vraiment lourd de conséquences sur l'individu. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu peur. Dans ce climat-là, évidemment, parce que bon, c'est partout, à un moment donné, partout dans les médias, t'ouvres les journaux, t'ouvres la radio, t'ouvres la télévision, c'est partout, tout le monde en parle, tout le monde capote. Ça se rend en politique, donc ça se rend au niveau politique. Et là, les politiciens sont pressés d'agir, sont pressés d'intervenir pour préserver la liberté académique parce qu'on a l'impression que l'université est le dernier rempart contre les différents débordements qui émanent de la société civile. En réaction à la controverse sur le mot en haine, le gouvernement du Québec adopte en 2022 une loi pour protéger la liberté académique. Cette loi oblige les universités à adopter une politique pour défendre cette liberté. Elle les empêche également de sanctionner un professeur qui utiliserait, par exemple, le mot en haine dans le cadre d'un enseignement. Cette loi va-t-elle contribuer à assainir le climat sur les campus? Ou ne fait-elle que renforcer le pouvoir d'une classe dominante traditionnelle dans les universités? Les professeurs, maintenant, ont l'assurance qu'ils et elles ont une protection contre des représailles au cas où ils prononceraient un mot qui ne ferait pas l'affaire ou qui serait vu comme étant blessant par les étudiants et étudiantes. Les lois ont des effets prévus et voulus et des effets pervers. Pour l'instant, il est trop tôt de savoir quel va être l'effet de la loi sur les interactions en classe ou à l'extérieur de la classe dans les universités québécoises. Je pense que la loi 32 renforce des systèmes d'oppression dans la société. L'université a toujours été historiquement des lieux d'exclusion, en fait. Parmi les plus grandes théories racistes, sexistes, homophobes, certaines ont vu le jour à l'université, ont été portées par un discours scientifique qui légitimait des politiques pour marginaliser et exclure différents membres de la société. On l'a vu avec les Autochtones, réduits au rang d'enfants. On l'a vu avec les Noirs également, dont on mesurait le cerveau à l'université pour confirmer qu'ils étaient moins intelligents que les personnes blanches. On l'a vu avec les femmes également, réduites à l'état de créatures émotives hystériques. Il y a toutes sortes de sciences qui se sont développées vraiment pour marginaliser certaines classe de la société, et tout ça, ça a vu le jour là, à l'université. La loi donne un pouvoir au ministre qui est assez impressionnant, ou même parfois qui peut être un peu heurtant pour les universités, c'est-à-dire ça affecte l'autonomie des universités. Si les universités ont mal appliqué la loi, leur politique est mal gérée, appliquée avec des dérapages au sein des comités. Bon, il est possible que le ministre demande à une université, donc
bris de leur autonomie, d'une certaine façon, leur demande de rendre des comptes. Il peut imposer des mesures, finalement, aux universités de son propre chef. Où il y a quand même une distinction qui mérite d'être faite, c'est que la loi protège l'exercice d'une liberté. Et ça ne donne pas droit aux étudiants et étudiantes de se plaindre que l'exercice de cette liberté-là serait allé trop loin. C'est pas un droit de ne pas entendre, c'est un droit de s'exprimer à l'intérieur, évidemment, des limites de la science et de la loi, comme les professeurs veulent bien. Quand le point de vue des professeurs doit primer absolument sur tout, ben malheureusement, on éteint les voix, peut-être des voix importantes, des voix marginales qui n'avaient peut-être pas eu la chance de s'exprimer jusqu'à présent et qui arrivent finalement à l'université dans un lieu qu'on espérait démocratique et qui se voient finalement brimés puisqu'on reconduit des systèmes d'oppression qu'on voit ailleurs dans les autres sphères de la société, alors qu'on est dans un contexte de savoir et d'échange. Que faire avec les mots qui peuvent blesser ou offenser dans les salles de classe? Doit-on les bannir complètement? Ou alors, avant de les utiliser, les professeurs devraient-ils utiliser des trauma-avertissements, aussi connus en anglais sous le nom de trigger warnings, c'est-à-dire des avertissements destinés aux étudiants et aux étudiantes pour les prévenir que du contenu potentiellement choquant sera abordé? Qu'en dit la loi québécoise? Le concept de trauma-avertissement a pris de l'expansion, de sorte que certaines réclament que dès lors qu'il y a un sujet sensible qui est traité, il faut avertir d'avance. Cela étant dit, ça provient quand même d'un constat, le constat étant que là où la professeure ne sait pas les traumas qui ont été vécus par ses étudiants et étudiantes. Donc, par exemple, si on prend le cas des femmes, il y a un pourcentage important de femmes qui sont à l'université qui ont déjà vécu une situation d'agression sexuelle et qui peuvent souffrir du syndrome de stress post-traumatique. Et donc, même s'il n'y a pas un diagnostic comme tel menant à un droit strict à un accommodement, je pense que c'est tout à fait normal que les professeurs moyennement sensibles avertissent leurs étudiants et étudiantes que le sujet soit sensible. On ne sait pas non plus comment les autres membres de la classe, les étudiants, peuvent réagir ou dire des propos qui peuvent heurter d'autres personnes. L'enseignant doit un peu s'assurer que c'est un climat serein, qu'il n'y a pas trop de polarisation, mais que quand on fait part de nos opinions puis qu'on les exprime, donc la liberté d'expression de chacun, de respecter les uns et les autres, hein, tout en tenant compte des statuts des personnes, appartenir à un groupe minoritaire versus majoritaire, essayer d'avoir finalement un respect de la dignité de chacune des personnes, mais aussi un respect de la liberté d'opinion et d'expression de chacune des personnes. C'est drôle parce que dans les discussions actuelles sur la culture du bannissement, on présente les trauma-avertissements comme quelque chose de très récent, inventé par les woke qui sont rendus trop sensibles. Mais dans les faits, les trauma-avertissements, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, qui est assez répandu. Par exemple, dans le domaine culturel, on en voit dans la musique, on en voit à la télévision, dans le cinéma, on l'entend à la radio. Quand on sait qu'on va aborder des sujets violents, quand on sait qu'on va prononcer des mauvais mots, ça relève de la décision du professeur ou de la professeure. La loi est très claire à l'effet que les universités ne peuvent pas imposer des trauma-avertissements obligatoires. Cela étant dit, il est tout à fait normal, lorsqu'on aborde un sujet sensible ou difficile, de faire une petite mise en garde. Les professeurs, normalement, on a une bonne relation avec nos étudiants et étudiantes, puis on veut pas les choquer sans raison. Donc, s'il faut traiter d'un sujet sensible, il est tout à fait normal de le signaler d'avance. Il faut rappeler que l'espace universitaire, c'est un espace donc de libre parole et de libre pensée et de critique finalement permanente. Et c'est comme ça aussi que les objets scientifiques évoluent et changent. Je pense que c'est possible, à différents degrés, de s'assurer que tout le monde est à l'aise avec les discussions. T'sais, vraiment, je prends l'exemple du mot en haine avec les étudiants noirs, de leur parler en amont peut-être, de les aviser qu'au cours de l'année scolaire, on va avoir des discussions sensibles sur des œuvres peut-être qui vont comporter ce mot-là. Donc, de tester un peu les eaux, de voir quel est le degré, en fait, d'aisance avec ce sujet-là. Ce que les étudiants et étudiantes ne peuvent
pas réclamer, c'est le droit de ne pas être bousculé ou le droit de ne pas aborder des sujets difficiles. C'est la nature même de l'éducation qu'elle vise à ouvrir les horizons et cela parfois nécessite qu'on aborde des sujets qui sont difficiles. Je pense que parfois, certains professeurs sont sur la défensive quand on leur souligne que ben, peut-être que sur celle-là, tu l'échappes, tu sais. Mais la posture à adopter, c'est celle de l'humilité. C'est celle-là qui nous permet de se remettre en question. Et la remise en question est fondamentale dans la recherche scientifique et à l'université. Forcément, pour développer l'esprit critique, il faut être capable de se remettre en question. C'est pas juste les étudiants qu'on vise quand on parle de ça, c'est aussi les professeurs.